Bonjour mesdames et messieurs, bonjour YouTube. On est motivé, je suis à 18 points master, c'est la merde. On est redescendu, du coup, pour remonter, une seule solution: ressortir le Aatrox, qui est en nous, bien entendu. C'est notre dernier espoir là, on est à une lose de retomber à 0 points master. Et vous savez que si on tombe à 0 points, une dernière game, si on la perd, on redescend en diamant 1. J'ai pas envie de retomber en diamant 1, ok. Donc, on sort l'Aatrox, même si, comme je l'ai dit hein, Aatrox n'a aucun match-up positif, limite en top lane. Vous pouvez le sortir contre quoi? Comme j'ai dit, il y avait quoi? Maokai, Nautilus à la limite, Malphite, des trucs comme ça. Irelia, ça peut se jouer même si c'est tendu comme match-up. Enfin, tu vois, t'as pas mal de petits trucs, mais contre Graves, c'est compliqué. Mais on s'en fout. Parce qu'on est un one-trick pony Aatrox, et en tant que bon one-trick pony Aatrox, mec il dit ça alors qu'il joue plein de champions, mais bref. Mon meilleur champion c'est Aatrox, et j'ai confiance en lui, j'ai confiance en moi-même, c'est beau. Du coup ouais, comme je disais, on va être, enfin je vais être à la Lantarena ce week-end. Tu vas carry, tu le sais, yes. Et je sais pas si, enfin bon, on verra hein, ça se trouve cette game ne sera pas upload bien entendu en fonction de la game, on verra. We will see. J'espère qu'elle sera pas dégueulasse. On prend notre Z, on est contre Orange. Mais du coup ouais, je pense que si je l'upload, je l'upload ce soir ou demain. Donc s'il y a des gens qui veulent venir ce week-end, attendez, faut que j'aide encore un peu, un ou deux coups, ça ferait pas de mal. Bah n'hésitez pas à venir me discuter avec moi. Donc le Graves, il y a push directement, ouais, je voulais marquer le truc mais la flemme. Le Graves qui push directement, donc ça veut dire que le jungle a start bot side. Donc ce qui veut dire qu'il va essayer de faire un gank au level 3 au top, à 3 minutes approximativement. Ouais, j'évite de me prendre ce genre de spell. Il y a pas assez de dégâts dessus, je l'aurais pas. J'aurais pas non plus. On va se concentrer sur l'autre. Ok, 4 creeps sur pour 5. Ça va. Enfin, je veux dire 4 sur 6, mais lui il en a pris que 5. C'est pas un drame. On va voir notre niveau 2. Donc on prend pas le A, bien entendu. Oula, j'ai un freeze. Ne jamais trade un Graves. C'est dangereux pour la santé. Il a du lifesteal, Graves, donc il n'y a aucun intérêt que je le tape. Donc ouais, son objectif à lui, ça va être de perdre ma push. Moi, faut que j'essaie de sustain un maximum. J'ai pas le choix. Faut juste que je temporise. Et après, bon, avec un bon gank, on a un Gragas Aatrox, qui est pas dégueu. Bon, l'avantage que j'ai là, c'est qu'il fait que de push. Donc c'est-à-dire que leur jungle ne peut pas venir en early game sur ma tronche. Je suis plutôt cool. J'aurais pas le creep, tant pis. Ah, les creeps ont changé d'aggro. Je vais l'avoir. Ça fait mal, mais je l'ai eu. Ça s'est tendu. Ah, oh, déçu. Les creeps qui crèvent juste devant moi. Mais avec la nouvelle masterise, Graves qui est très 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 fort en top lane par rapport à sa sustain. C'est assez unbalanced là-dessus. Mais bon, il fallait bien que ça serve au moins à quelqu'un la masterise. Bon, j'arrive pas à farm, c'est compliqué. Il essaie de faire proc mon passif, bien entendu, hein. Il a bien raison. Je vais back, prendre une deuxième lame de Doran, et ça va le faire en termes de sustain. Ouais, on va y arriver. Il joue bien en tout cas le Graves. Pas d'erreur de placement, des bons pocs, des trucs propres tout simplement. On va téléporter sur lui. Il va mettre son Q direct. Et on recule. Et il loupe un creep. Yeah. Alors je sais pas trop ce qu'il va faire, s'il back maintenant ou pas. Dans tous les cas, il faut que je push. Donc là, les deux lames de Doran qui vont permettre de sustainer un peu plus. A mon avis, il va recall et téléporte, mais bon. S'il téléporte pas, on peut tenter quelque chose. Ok, s'il a téléporte. Parce que je... Bref, la décalmise, c'est compliqué. C'est un GP, j'avais pas vu. Ah, on a pas beaucoup de dégâts magiques d'ailleurs, je viens de réaliser. On a Gragas. Aatrox qui fait des dégâts avec le E et le R. Bah, vous voyez, vous dites. Enfin, là, tu te dis, bon, le match-up est compliqué. Je me fais perdre ma push. Mais en attendant, regardez le farm. J'ai 5 creeps d'avance. Bon, il va avoir les 3, mais j'ai un tout petit peu de farming d'avance. Surtout, en fait, le plus important, c'est que je suis pas en retard. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il s'occupe énormément de mettre une pression. Mais c'est à peu près tout ce qu'il fait. Donc pour moi ça va. Par contre je me colle trop au mur et ça pique. Ça pique. On farm mauvais pour celui-là, trop loin comme creep. On pose notre ward, j'en pose une autre derrière. Oh quoi, okay. Il y a le gradias qui est à côté, ça devrait le faire.
Et on essaie de continuer à rester en middle lane. Parce que si on est sous tourelle, forcément il va vouloir nous poke avec son Q. Et j'ai pas trop moyen de lui répondre correctement en termes de trade. À part s'il fait un E, mais tant qu'il l'utilise pas, il peut dodge quand il veut mon spell. Enfin mon A, qui est beaucoup trop lent. C'est le gros défaut d'Aatrox. Beaucoup trop simple à dodge son Q spell. Donc on la joue en mode tranquille. Pas de pression. Tout va bien. Ça va le faire. On a la confiance. Juste quand même claquer une popo. Ok, le level 6. Ouais, il va vouloir me faire péter la... Vous voyez, c'est la seule fois où il a utilisé son E, c'est parce que j'ai utilisé moi. C'est le seul moment où il l'a utilisé. Il l'utilise jamais sinon. Toujours en mode safe. Et là, il va vouloir essayer de me faire proc mon passif. Putain, si j'étais level 6, il était mort. Mais... Il a pris tellement de coups de tourelle, ça m'a mis tellement bien. Du coup, je gagne la lane, enfin le trade. GG Gob, merci. Il est obligé de recall, oh mon dieu. Un bon gros fail de sa part. Je vais pas dire non, moi, je kiffe. Quand les mecs se foirent comme ça. Niveau de la compo, alors du coup, on a un gangplank, ça c'est pas mal pour le farm, ça va être cool. Enfin, pour le late game. Moi j'ai un avantage en farm, donc tout va bien. Faut pas que je. Enfin. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est un peu le mode si ma team feed, c'est la merde. Mais il faut pas que je grid, il faut juste que je farm et c'est la seule chose que j'ai à faire. Après, bon voilà, si ma team fail, bien entendu, comme j'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Ah, il avait pas son flash au Gargas? Ah. Il devrait pouvoir survivre. Oh, what? Il y avait la smoke sur moi, mais ça m'a pas empêché de back. Ok. On part là-dessus, prendre des points de vie. Niveau farm, on est toujours un tout petit peu devant, mais là, il va prendre la wave. On est à égalité, pas de problème. On tryhard, nice, la botlane qui... Ouais, non, elle a pas gagné. Et boum, la Soraka qui fait un double kill. Très bien. Il a toujours pas pris de pink, d'ailleurs, le Graves. Et il a pas pris de popo, intéressant ça. Je vais peut-être faire un truc... Peut-être faire un truc. Après, j'ai pas de popo non plus. Ping de miss, 62 à 59. Faut juste regarder le farm, je peux pas refaire. C'est lui qui a l'avantage de la lane, c'est à lui de mettre la pression. Et pour l'instant il fait rien de spécial. Il passe juste, donc moi ça m'arrange. Après bon, le problème c'est que c'est un peu le défaut, c'est que Aatrox c'est pas non plus un personnage qui va être ouf en late game. Même si franchement avec le stuff que j'arrive à faire, ça passe plutôt bien. La plupart du temps un Graves en late game ça va faire exactement, enfin ça va faire plus le taf. Alors, on va tenter un petit all-in hein. Vu qu'il sait pas que je suis dans ce bush, est-ce qu'il s'en doute? Il s'en doutait. C'est ok. Ça lui fait claquer un peu de mana. Ça met une pression... Enfin, une moins grosse pression sur moi. Bon. J'ai 700 HP, donc si je me prends un A en étant collé au mur avec un ult, je meurs. Pour bien commencer l'après-midi. Rich man's world. Merci à toi, McNailio. Ça fait plaisir. La bonne musique qui pop d'un coup, c'est silencieux. Là, boum, money, money, money. Alors. Ah, d'accord. J'allais dire, c'est le parfait moment là pour moi de fight. Obligé de flash. Hein. C'est dommage. C'est dommage. C'était le parfait moment. Je pouvais enfin trade. Déçu. On avait écrit, y'a pas de soucis de ce côté là. Oh, trop déçu. J'ai vu ses points de vie, je me suis dit, dès qu'il va avancer, je vais pouvoir juste mettre l'ulti. Il va être obligé de dash, et là je le Q, et ça fait un flash. Mais bon, dommage. Ah, c'était le seul moment où il y avait une opportunité. Dommage. Enfin, avec hein. Bon, j'aurais pas script, my bad. Bon, ok. Il a téléporte. Le Lee Sin qui peut être encore dans les parages. Hein. Il a rien claqué le Lee Sin à part une ward. Donc je vais faire gaffe. Ok, Lee Sin est mid. On a l'info. Maintenant il a du lifesteal. Donc je vais pas pouvoir le. Enfin, c'est un all-in qu'il faut absolument. Sinon ça sert à rien. Donc ça va être un peu relou. Avec son lifesteal, j'avoue que. Oh, il va sûrement faire une petite erreur. Faut attendre l'erreur. J'ai pas le choix, il faut que je wait une petite erreur de sa part. Mais là avec son lifesteal...
Après, le bon Gragas pourrait faire des gonks aussi, ça pourrait aider la Ligue des Légendes. Là, pour l'instant, c'est pas trop ça niveau gonk. Ok, claque son ult. Et vous voyez, il a toujours pas eu son dash. Moi, je voulais qu'il y ait eu son dash vu que j'allais lui mettre des bons dégâts, mais il l'a joué tranquille. Ah, il y a le Lee Sin encore une fois, c'est pas vrai. Je suis obligé de leave la tourelle. Bon, pas le choix, hein. De toute façon, avec 400 HP, le Lee Sin il fait ce qu'il veut de mon call. Ok, relou. J'avais pas trop mal géré ce trade. Il y a le Lee Sin qui a pas envie de me laisser jouer. Enfin, pas intéressant, j'attendrai pour avoir la pioche plutôt. Ok. Bah là, GP il peut pas utiliser ses ultis pour moi. Bon. 4-1. Je commence à prendre un peu de retard en farm, ce qui est logique. Fallait bien qu'à un moment quand même il commence à mode farm, mais ça va. Je reste ok. On reste pas trop mal dans la game. Juste rien que je puisse faire de plus. Ok, Gragas qui est là. Il a pas encore son ult de Graves à mon avis, même s'il a un peu de CD. Ah, quoique il a un peu de CDR quand même. On va pas push la lane, juste mettre une auto. À la limite, je peux quand même taper un peu l'euro. De toute façon, le temps que le Graves arrive. Histoire d'avoir un maximum de vitesse d'attaque quand même. Le moment où le Gragas voudra engage. Le Lucine est bot. Ok, bon, c'était pas un gank. Ah, j'ai pas de téléport, ils sont 4 bots. RIP. Ah, je peux rien faire, Billy. Ne meurs pas, c'est tout. Il va vouloir retourner sur tourelle, le Graves. J'aurais pas dû. Je vais pas avoir les dégâts. Ah, chier. Je sais pas, il va peut-être être là. Non. Ah si, je l'ai touché, purée. Déçu. Il reste un point de vie. Je me suis dit, fuck, je l'ai pas touché avec mon E, mais si. Et ça n'a pas suffi. Ouais, ça masterise qui le heal énormément. J'ai pas pu mettre les dégâts suffisants. Du coup, je perds mon passif. C'est pas génial. Bon, tant pis, je vais grid un peu pour la tourelle. Mais il faut qu'on prenne des objectifs, on se fait marcher dessus. Oh, le GP avec son ult. Ah, dommage. J'ai même pas fait gaffe. Ici, il est top. Oh, mais j'ai tellement besoin de ces creeps. Bon, c'est bon, je suis fine, mais. Fuck! Je voulais plus de farm. Fais pas ça, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Pardon? Ah, oh, il est sérieux, Lee Sin! Il a pas de vie! Laisse-moi jouer! Je peux rien faire pour t'aider. Faut que je téléporte top, sinon je vais perdre tout le. Enfin, je vais perdre la tourelle. Ok, c'est pas mal. Oh, ma taunt, elle a bien joué. Oh shit. J'avais pas mon nul, dommage. Hein. Oh, les snipe. Holy snipe. Ok, bon, on a perdu la tourelle. Éviter. Enfin, les traps ne font plus de damage, mais bon. Éviter de mourir quand même. Ok. Nice. On prend des kills, on prend des kills. Pourquoi il se barre pas? Oh, il a encore envie. Le pixel d'HP qui fait la diff. Bon. J'ai une assist. Non mais ça offre 2 kills à notre Kalista, c'est très bien. C'est ce qu'il faut, parce que top, je peux pas le dominer, donc une petite téléporte qui fait la diff, c'est pas mal. Lui, il a essayé de mettre sa téléporte, mais il la cancel, vu qu'il pouvait rien faire dessus. Normal. C'est bon. On gère, les gens. Y'a pas de soucis. We got this. Alors là, par contre, j'en sais rien de ce qu'ils ont pu use. J'ai pas trop de check.
Je préfère rien dire. J'en sais rien. Il y a l'Ignite. Si, il a Aria Flash quand même. Après, pour le reste, je sais pas trop. Bon, mine de rien, même si on a perdu la tourelle, ça reste ok. Parce que je peux un peu plus décaler, être un peu plus libre. Donc ça... ça reste ok, je pense. Par contre, ouais, il va avoir la téléporte plutôt que moi. C'est bien ça. Bonne pression, des bons dégâts. Dommage, il y a le Lee Sin. J'ai entendu le bruit avant que l'activation. Putain, ils ont pas eu. Dommage. Ouais, elle est full life la Caitlyn. J'adore Soraka. Pas du tout. Sérieusement quoi. Full life. Il m'a l'air dans le pétrin. Ah, Crocro qui est mort. Non, peut-être pas. Si, il grid. Du coup, il va mourir. Je vais essayer de prendre la tourelle pendant ce temps-là. On va voir la tourelle au moins, c'est déjà ça. Question bête, mais quand est-ce que tu... qu'on devrait utiliser la potion de corruption plutôt avec un tank ou autre? Ouais, en fait, c'est avec les personnages à mana tank. Généralement, ça marche bien. C'est pas dégueulasse. Et qui peuvent trade assez souvent. On perd la tourelle mid quand même, du coup. C'est pas génial. Par contre, ouais. Pushback. Si on perd deux tourelles, ça c'est... c'est pire que Powers. Non, ça va. Et on va pouvoir la péter. Ça doit le faire. De la RM, je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais l'Exrinker qui va me mettre bien. Enfin, la Malmortus va me mettre bien. Alors, top, on a pris la tourelle. Bot, on a pris la tourelle. Mid, bon, on l'a perdu forcément. My bad là-dessus. Le Graves qui va décaler. Niveau farm, je suis très bien. J'arrive à bien tempo. C'est quand même une bonne chose. C'est important. We got this. Il y a 7-4, c'est jouable. Par contre, une Ari, c'est un peu un grand cap. C'est vrai que le problème d'un GP mid, c'est que c'est assez simple à choper quand même. Ok, je me suis un peu emporté, chef. Ah là là. Ah, my bad. Je me suis emporté. J'avais pas vu en fait le Graves. J'étais tellement focus à vouloir bump les gens. Ouais, Soraka. Un bon personnage. Non, mais même. Clairement, my bad. Putain, mais 300 de dégâts avec son A. Tour folk. Ok. Ouais, on leur donne 2 kills vraiment bêtement. Oh, il aurait pas dû avoir peur. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut. De l'agression. Ça c'est très bien. Je comprenais pas, la Chroma qui était en train de reculer, j'étais en mode mais non, c'est le moment de fight. Moi j'y suis allé en mode trop YOLO, mais là c'est parfait. Honnêtement, je vais même téléporter pour avoir la tourelle. Non, on peut avoir deux tourelles. Deux tourelles, c'est mieux que le Drake, c'est mieux que le Drake, c'est mieux que le Drake. Ah, fuck. Tant pis. Ils vont l'avoir sans moi, y'a pas de soucis. Ouais, après c'est plus safe le Drake, mais... y avait personne mid, la Harry elle était pas là. Bon, le Graves sera... non, il sera pas là-bas. Ok. Juste check ici s'il n'y a pas une pink. Nope. Il y a du farm. On prend le farm. Tout va bien. PvE Atrox, guys. Ah, j'ai fait une erreur là cette game. Elle m'a coûté cher. On a pris un Drake, une tourelle, c'est good. En objectif, on est bien, hein. 3 tourelles à 3, c'est pas mauvais. Un Drake à 1, c'est bien. Par contre, j'ai pas de téléporte, mais en fait, surtout que j'ai pas de passif, donc moi je préférais ne pas fight. Ouais, on va pas le tenter lui, hein. On va pas fight un Graze. Surtout qu'il a danseur fantôme et danse de la mort. C'est super comme stuff pour speed push. Mais il a bien raison parce qu'il va faire que ça dans la game, je pense. Téléporte de Graves. Oh, il va mettre un air double. Adieu.
Quand je vois les HP là, j'étais en mode ok, ma team est morte. Ils auraient pas dû aller aussi loin. J'ai oublié que moi j'avais pu téléporter et eux l'avaient encore. En fait, je suis en train de partir sur un stuff en mode plus teamfight qu'autre chose. Ça va pas être ouf. Allez, bonne trappe de Caitlyn. Est-ce que ça va être vraiment défendable? Non, si je me prends. J'étais en train de dire, faut que je marche sur la trappe ici, ce serait parfait, mais si je fais ça. Je meurs instant. Wow, mon placement. Je peux pas def. Défendre bot side à la limite, ce genre de choses. Ok. Ouais. J'ai parlé d'y. Pourquoi le chat il est en mode maîtrise? Tu stream avec quoi? Parce que moi, XSplit, ça met dropped frame detected et ça bug du coup. Alors, ça, c'est. Moi, j'utilise XSplit, pardon, également. Oh, j'ai pas vu où l'équipe allait en face. Si je meurs, c'est ta faute. Grid. En gros, c'est un drop frames. Normalement, c'est ta connexion, si je dis pas de bêtises. Genre, je me rappelle que j'avais beaucoup de trucs comme ça. Enfin, quand ça marque drop detected, quoi, c'est par rapport à ta connexion qui plante. Donc, tu dois avoir sûrement la DSL. Bon, 11-6. On garde le believe. Ah, ils font le lâche? Non. Alors pourquoi il y a Soraka qui est là? À quelle heure? Fuck. Ça va tenter un fight. Oh, à la limite, c'est pas mal. Oui, c'est plus que pas mal. Ça offre 2 kills. Nice. Damn, Kalista Janna, là, elles font le taf, la botlane. Fait vraiment le. Elle carry vraiment la game. Y'a le Graze. Moi, c'est plus le Yesin qui me fait peur, mais. Oh fuck! Ena flash. Nice. Oh, la vieille trappe. Déçu de ouf. Il y avait une trappe là-dedans. Si j'avais gardé mon flash là, j'aurais pu prendre un kill. Oh, ça grid. Non, j'aurais dû jump. So close. Putain, mais pourquoi Soraka a un slow, sérieusement? Qui a inventé ça? Non, recule. Moi, j'y vais jamais là-dedans. Hein. C'est de suicide. Ok, bah on est bien, on a le Nashor. Oula, ma caméra. Vous êtes 4 sur Grave, mais tu flash. Il a pas, c'était nul. En fait, c'est juste qu'il a air flash. Je me suis dit, il était trop loin. Enfin, ma team était trop loin pour l'avoir. En fait, pas du tout. La Kalista pouvait l'avoir 100%. J'avais pas du tout. Enfin, j'ai failli. Gros misplay. Alors que là, la réelle était morte 100 fois, ou j'aurais pu sauver de la. Enfin, bon, ça serait mieux passé quoi si j'avais pas flash tout à l'heure. Ouais, ils peuvent défendre sans moi normalement. Y'a pas de problème de ce côté là. Moi, je vais juste push un peu le top. Et je vais recall après parce que niveau thune, on est plutôt bien. Donc là, on va commencer à avoir le build entre guillemets parfait. Non, je peux pas. Rip. Donc Roma qui est parti loin, trop loin. Je vais commencer à avoir le bon build. Donc c'est le combo ultime entre guillemets sur Aatrox, je trouve, ces trois items. Sterak avec la titanique Hydra et Malmortius. Ça vous offre un shield, un deuxième shield et du lifesteal quand vous êtes low HP, plus de la vitesse d'attaque. Et des bons damage avec le litre titanesque. Donc j'ai plein de dégâts. J'ai plein d'HP, bon j'ai pas de tankiness par contre, j'ai pas d'armor par exemple là. C'est le gros défaut du build, c'est que si les AD en face sont overfed, c'est un problème. Mais là, bon... Ça se joue, ça reste ok. Bon, le Graves par contre, s'il split push. Ce qu'il me faudrait pour gérer ce Graves, c'est un rang 2. Un rang 2, ça me ferait plaisir.
Ok, on peut pas aller par là. Mais honnêtement, enfin, bon, on a pas le late game non plus, mais tu vois, je pense qu'on est, on a quand même clairement quelque chose à faire là maintenant. Genre dans les 30 minutes, avant les 30 minutes de game, on est encore très bien. Après, bon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué avec la Soraka si on n'arrive pas à la défoncer. Bah, elle a pas l'air d'être excellente non plus la Soraka, donc peut-être moyen de faire un truc. Nice ça. Il me faudrait juste mes bottes là. Alors, réflexion. Il y a du CC, ouais. Il y a des dégâts physiques, ouais. Je pense que je vais partir Tabi. Tabi c'est bien. Allez, un bon ult. Nice, parfait l'ult de GP. Oh là là. The God. Nice, la bonne sustain. C'est bon, on prend des kills là-dessus, 3 kills. Ouais, allez-y, allez-y, je l'ai fait juste chier un peu. J'avoue qu'ils l'ont tous focus, mais c'est pas gênant, il avait déjà mis ses damage. Et vu que c'est pas le mec feed, tant que la Kalista elle peut taper, c'est bueno. Par contre, on n'a pas de wave. Là c'était bon, j'ai pu bam 3 mecs, c'est comme un ultimate fit après. Et en termes de dégâts, on a pu faire très mal. Il aurait dû lui in limite, t'sais. On prend juste une tourelle là-dessus, mais ça rapporte des kills, donc c'est pas dégueu. Le Drake qui pop dans 3 minutes 50, donc on a large le temps. Ils l'ont fait tout à l'heure, je me rappelle même plus. Bah là, l'ulti de GP était très bon. Il a touché un peu tout le monde, ils étaient obligés d'essayer de s'escape. La Caitlyn qui flash dans ma direction, je la bump et free kill. Oh, casse-toi. Chiant, il me laisse pas farm. Laissez-moi farmer. Pardon. Mais ah oui, mais jusqu'au bout il est relou, ok. Il me manque encore 300 gold. J'aimerais bien voir Master Hack. Ils vont push top par contre. Non, tant pis, je peux juste la voir comme ça. Non, ok. J'ai vu la Caitlyn à l'état, c'est pour ça que je disais ça. Mais never mind. Ouais, j'ai assez. Je récolte. Attends, juste on push. Petite wave en plus. Nice. Tu déménages bientôt pour une meilleure connexion. Dans moins de 6 mois, normalement, j'ai un nouvel appart. Ça me paraît tellement, enfin vraiment vraiment long, honnêtement quand je me dis 6 mois, c'est... c'est long 6 mois. Mais dans moins de 6 mois j'ai un nouvel appart avec fibre, avec un petit, je me fais un petit studio, je change plein de choses, ça va être trop bien. On a trop hâte. J'attends que ça d'avoir la fibre. And, ouais puis j'avoue il peut finir. Bah, ma team a gagné en 4v4, tout va bien. Ah non 4v3 y'avait... Quoi? Je t'en peux, hein. Il a trop de lifesteal ce perso. Sérieusement quoi. Pourquoi les deux mecs. Ah il va pas finir la game. Mais il peut prendre un inhibiteur. Pourquoi il y a deux mecs là. Tant plus j'ai failli tuer le graze. Il y a deux mecs sur ma tronche quoi. Ok. Ils auraient pu défendre leur inhibiteur mais non. Better kill l'Atrox. Bien sûr. Hein. Clairement. L'infâme. Bon. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a un truc sur Twitter. Pourquoi je l'ai pas reçu ce tweet? Ah oui. Mon dieu. Bon, je sais que j'ai une tête de psychopathe, mais bon. Je leur tweet le superbe dessin. Mais ma caméra elle est bloquée. Faut attendre que je respawn. Après il y a une bonne ressemblance. Bah attendez je vous montre hein, si vous voulez voir. Il y a une bonne ressemblance mais j'ai quand même des yeux de psychopathe. Mais on me reconnaît bien. Hélas. On me reconnaît bien. Fuck. J'ai passé de tête les gens, arrêtez.
Ok, on se reconcentre. Elle est pas finie cette game. J'ai passé l'argent. I'm poor. Bon. À la limite, si je fais juste ça. Je vais juste revendre vite fait. Et je vais prendre un peu l'armor. Du gobot. Ouais, si vous voulez. Ok. Un alien. C'est les pires. C'est juste que j'ai l'impression que les yeux sont un peu en décalé. Critique, bien sûr. Très constructive. Ok. Y'a pas le greffe. Ah, ok, il a eu sa tête. J'étais tellement en train de regarder le chat. Ok, nice. Le greffe, s'il n'y a pas sa téléporte, ça c'est du fin freinacheur pour nous. Parce qu'ils vont vouloir def, donc ma team elle recule, elle fait pas d'hard engage. Et on prend les objectifs petit à petit. Regardez, ils sont obligés de mettre la pression. Enfin, la team en face est obligée de bouger. Et moi pendant ce temps là. Non, faut pas passer engage. On va téléporter, tant pis. Aïe, 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 aïe. C'est pas mauvais forcément, enfin c'est pas forcément mauvais les linkage, mais c'est juste que c'est pas ouf non plus. Oh le kick. Oh il avait encore son Z. Ok, 3 morts, 40 secondes, fin du game. Ouais, fin du game. Nice, bah voilà, vous voyez, on a réussi à la jouer tranquillement cette game, petit à petit. Et c'est parfait, je suis content. Pas un match-up facile, mais on a réussi à la jouer safe, et on a réussi à gagner cette game. Et bien notre Aatrox aura sauvé mon master, enfin bon, c'est pas Aatrox qui fait la game, hein. Clairement pas, je fais pas la partie. Mais c'est la botlane hein, qui a carry. Ça se voit légèrement d'ailleurs qu'ils ont carré la game. Je pense qu'on va voir au stat de damage. Je vais avoir 4ème. Bon, dernier non, il y a Janna. Mais 4ème ou 3ème. Genre j'ai moins normalement. Oh non, faut voir les stats. Rito. Rito, s'il te plaît, je veux voir les statistiques. Ah. Du coup, 14 points. Ouais, on a. Ah si, oui, on a mis plus que le Gragas, forcément. Mais ouais. Les deux autres. Kalista qui a fait une bonne petite game toute seule, tranquillement. Par contre, on n'a pas gagné beaucoup de points. Ouais. 14, c'est pas extraordinaire. Mais bon, Aatrox me porte chance. C'est plutôt nice. Du coup, on est encore en Master Legend. On survit. Et voilà, ce sera la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, des bisous YouTube. Et on se revoit une prochaine fois pour d'autres vidéos ou sur mon Twitch, sur le stream, en live. A plus.